rien là des cadavres sur lui. Ah, oh, vas-y, je t'ai mis un coup critique, écrase-toi. Meurs. T'as vu ce qui s'est passé? Ah, c'était drôle. Nous, c'est les versions syriennes, je crois, du T-60. Merde. Oh, quoi? Ouais, bien joué. Non, mais j'ai littéralement tiré par réflexe vers le coup de feu que j'ai vu et... Enfin, vu qu'il m'a déchenillé, mon char il a tourné, donc je comprends pas comment mon obus l'a touché. Parce que en tournant, t'as compensé ta faiblesse. Peut-être. Il a encore en ville. Je te dirais que c'est avec lui. Le M1128, ouais, toujours. Mutuellement le canon et la culasse, quoi. Vous savez où il est le... Bah là. Ah, merde, le ping n'était pas voulu. Fais gaffe, tu vas te faire défoncer, hein. Oh, le Bradley. Oh, il est arrivé quoi? Ah bah, il a pris un Amorak, hein, vu l'explosion. À 10. Taillant. Oh, ce move! Énervé là, tu l'as tiré à la cheveux ou à la flèche? Ouais, j'ai chargé une ITFS pour taper dans son radar et tout détruire. Ah, si les gars. Je suis fier de mon move là quand même. Allez, bam! Ok, là je suis peut-être fier de moi. Peut-être. Je vais designer beaucoup plus d'aérodynamique. Le racisme systémique, là on va commencer à se calmer. Tu veux un obus, Phoenix? Alors, messieurs Phoenix. Vous voulez prendre un obus? Vous voulez tester ma dernière acquisition, messieurs Phoenix? Je n'avais pas du tout capté, lui. Oui, ils sont deux. Mais non, quelle blague! Oh! Incroyable! Mais qu'est-ce que tu dis là, vraiment? Ça n'a aucun sens ce qui s'est passé sous mes yeux. Eh mais... J'aimerais pouvoir jouer. Bonjour, avec des navires américains aussi, mais... On se fait déjà tirer dessus! Oh putain, mon sillage. Déjà? Oh les putes. Tête en haut, Penchi! M'a de vrai. Ah, pourquoi t'as tourné? J'ai la musique de Karen Colchet de bataille et tout. Aïe, j'ai torpille. J'ai torpille. C'est parti. Ah, il me smoke. Tiens, prends ça là. Faut vraiment pas où je suis. Au secours! C'est le but. Obus. Secours! Ah, t'es encore là! Putain! Un no. Obus! MDR! Alors, quoi? Ah. Bah, je m'adore parce que moi je bouge! Je prends la gueule là! Je suis avec mon boutique! Ah, mais je suis en feu maintenant! C'est pas où? Pas faciliter la tâche. Chien des îles. Je suis un japonais, hein. Je suis un singe. J'aimerais tellement un boost moteur dans le jeu pour d'un coup taper une grosse Alex à accélération et genre en mode. Je suis boost off, je suis dans.
Il est mort. Vite. Visez autre chose. Et forcément, qu'est-ce qui me tire dessus? C'est un fils de pute d'américain. Américain. Dégage. Je suis une belle loli japonaise. Va-t'en. Quoi? Alors, Alt F10. Mon phare. Mon phare. Comment tu vas? Ça va et vous? Ça va. Oula, y'a un bateau qui glitch. Ah, c'est particulier à voir. On est face à des dingueries là. Allez! Do a flip! C'est vraiment terrifiant. Il est possédé ce bateau là. Tu peux pas le toucher? Non mais il est mort, c'est ça qui est drôle. Il est ah. Allez, on continue là. Oui, on continue. Ah putain, Skykid il joue en bateau. Oh, je l'ai à Morak. C'est plaisant hein. Je l'ai à Morak, premier shot. 7%, ça y est, il va couler. C'est-à-dire que je suis emmerdé par une petite merde. Oh, oh oui. Oui, je me suis fait un Arizona avec mon porteur. Bam, qu'est-ce qu'il y a? Attends, les frérots, vous êtes 23 sans emploi. J'arrêtais pas de ping, je tirais dessus et je pingais avec le point N. Ça apparaissait en jaune et en rouge, donc à partir de là, je peux pas fermer non plus. Hein. À tes 6 heures. Je me fais overwhelm, hein. J'ai un Panzer. J'ai un Crusader et... 6 km. Oh non, mais c'est une blague. Il est vraiment pas bon ce putain d'M4. Ah, ça c'est pour moi. Par contre, j'ai beaucoup aimé le. Ah, ça c'est pour moi. À l'endroit où vous étiez en plus, elle était sur toi. Ah, mais j'ai vu la bombe à côté de ma chenille. Ah. Il est là et il part vers la gauche. Vers François Hollande lui-même. Quoi? Dis-moi. Quoi? Quand j'ai vu que c'était deux fois vert, je me suis dit. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah désolé, c'était pas dessiné pour toi. Non, bah, tu te fous de ma gueule. Dans la gueule. Tu te fous de ma gueule, j'ai plus de moteur. Bah bombarde et crève alors. C'est ce que je veux faire. C'est pas l'air de casser les couilles. Ah non, j'ai raté, j'ai raté, non. J'ai bien aimé. Genre, bah vas-y, bombarde et tu vois un mec à 90 degrés. cette vrille là, c'est. Y'a un Vixen au-dessus de toi là. Mais tu sais que Phoenix, on veut aussi manquer de se percuter parce qu'on est littéralement passé à 1 mm en plante là. Ah merde, j'ai pas vu, mais je pouvais pas te voir. Bah Vixen qui remonte. Il reprend de l'énergie potentielle. Je vais te montrer ça au replay, tu vas voir, c'était terrifiant. En fait, je pense qu'il m'a surpris avant toi. Oui, oui, bah. La confection. What? Je suis trop con. Je passe dans tes tirs, quoi. Mais non, mais moi, c'est le FJ4B là qui m'a tué. Ah, mais putain, mais t'as. Mais quel débile. Oh, il est fou. Oui, d'accord. Ah mais ah, c'était très audacieux. Oh. Ah oui. Non mais j'avais pas vu que t'étais en dessous. Putain. Surtout vraiment, je pensais pas que tu pouvais que en tant que mystère, tu pouvais vraiment te perdre. Regarde ça. Non mais mec, mais s'il voulait être tué, il aurait pas fait différent. Regarde comment il se prête comme un gros con. Mais le mec, mais...
mais t'as vu le spray des enfers qu'il a fait, ce débile. Mec, la vôtre t'es déjà plus dans son dans sa robe, tu es encore en train de spammer comme un fou. Mais oui, putain, mais plus la merde. J'ai senti un peu de... Ah, je ne l'ai pas non vu. Mais j'ai pas la balistique en main. Putain, plus de 64 mètres sur le câble. Ah ah. C'était quoi ce cri? C'est un cri de terreur. Avion. D'accord. Bah dis-le si je t'emmerde. Non non mais, mais le pire c'est que j'ai juste tiré une petite rafale comme ça en me disant... Oui je sais, justement. C'est pour ça que c'est ça. Ah merde, j'ai accepté un défi contre quelqu'un, fait chier. Mec voilà, il s'entraîne tranquille. Après il dirait mais non, on avait pas dit qu'il avait pas le droit. Oh. J'ai one-shoté un Portland. J'ai mis direct dans la mort avec le pauvre, il venait de spawn. Bombe. Bombe. Oh, je me kiffe. Je sais pas si t'as vu. Hein. Si. On m'a attendu le bon moment. Il me voyait pas et paf. Mais tu sens qu'on en babère, les mecs ils regardent vraiment pas autour d'eux. Je t'en veux pas à Golo là. Ouais, Stuart. Il t'a pas vu? Ah, c'est pas un Stuart. Si? Ouais, c'est un Jap. Putain, il t'a pas vu? Quelle merde. Vas-y. Bien joué. Le chasseur patient attend sa proie. Ouais. Proximus, il me saoule en vrai, franchement. Le commandant de char Lunar s'inquiète, entend des bruits de moteur piston. Mais du coup, tu le pire, c'est que je me prends une... C'est un moteur étoile, là, c'est le biplan, là, pas dessus. Je me prends un kick-off du truc, quoi. Un kick-off? Bah, un kick-off. J'ai mes coups bloqués, quoi. Kick-off, pas kick-off. Ouais, moi, j'ai compris. What? Oh, de... Je l'ai nul. Les gars, t'as eu une lueur de spawn. Ah! Ah, bah lui, va. Oh, putain. Lunar vient de connaître ce que les gars ont vécu à court. C'était terrifiant. Encore un coup de Lunar de mort. Incroyable, hein, tu t'avances et tu fais un... Peekaboo. Un coup en avant pour voir si un... Je te l'avais dit. Je l'avais dit. Ouais, tu mets un coup en avant pour voir si ça tire dessus. Je te l'avais dit. Ouais, attends. Oh là là, on est tellement morts. Wouah. Bon, c'était... Ah, moi j'ai mon avant qui s'est soulevé. Bah moi j'ai volé. Oh, ça sent la vie. Il est pas allé rejoindre des vidéos, là. Il est là. Wouah, ce tir. J'ai entendu ton obus siffler en partant. Aller voir le flic et créature. Oh! Oh, ce tir du futur! C'est le chapitre tout à l'heure? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que je me suis dit, tiens, je vais tirer là-bas. Oh, Lunar! Bien, je note que le KV1 et son Stalinium fonctionnent bien. Mais les KV1 en ce moment, ouais, ils sont solides. Attends, j'ai pris un coup de 85 à bout portant, j'ai résisté sans aucun dégât. J'ai vu. J'avais pas vu que t'avais spawn en avion. Je pensais que t'avais spawn au sol et que tu voyais passer un peu vite que j'avais pas vu passer. Non mais... Oh, j'ai envie de dormir, quelle heure? À 18h30. Parce que s'il avait pas fait péter les munitions, j'étais encore vivant. Putain, je vais réussir à atterrir. Bah franchement,
Au vu de l'avion que t'as, alors ça doit être relou, mais ce truc-là, ça se pilote tout seul. Hein. Après, l'angle que tu prends, elle est peut-être pas forcément optimale. C'est le moins pire que tu puisses faire. Oh, oh, c'était bien ça. Faut juste que tu arrives à un peu descendre. Oh, 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 stylé, stylé, stylé. Oui. Oh, bien joué. Enfin, c'est propre. C'est extrêmement propre. Il y a une forme de professionnalisme hein, là-dedans. Ouais. On sent les heures de... Ah, le dernier petit move, là, pour passer de 30 degrés de descente à 15, là, c'était incroyable. Tu te dis, ah non, attends, je vais juste faire un dernier petit coup d'aile pour être sûr de passer. Et zoup. Allez. J'ai un truc au fion. Allez, tu fais chier. T'en inquiète pas trop des avions, de toute façon, il y en a trop, hein. Oh putain, je te couvre de mon corps. Je crois que ça vient un tout poil plus sur ta gauche, non? Attention, là, si tu tires, tu vas... C'est passé ou t'as tiré dans moi? Bon, c'est bon à savoir, ça, parce que vraiment, visuellement, tu tires sur ma protection de tourelle. Tu l'as eu? Putain, GG. GG, GG. Ah non, je me suis cancel. Anakin. Anakin, ils m'ont cancel sur Netflix. Hé, hey, toi, meurs. Mais... Madame, il est pas mort, wesh. Madame, voilà. Il a fiché, ouais. Oh, c'est un G6. Mais il était méchant, le style, là. Le monsieur qui a tué dessus, là. C'est une roue qui vous roule, là-bas, là. Putain, c'est génial. Je vais peut-être pouvoir les flanquer, monsieur Nice. Mais y'a plus personne, là, hein. Ouais, bah, je vais quand même les flanquer. Je vais flanquer les carcasses. C'est un point de vue. Oh, les gars, il y a une tétrachie d'avion, hein. J'ai entendu des tirs de MG. Alors, je suis désolé, mais les Anglais sont pas là, donc non, y'a pas de tétrarque. Pourquoi vous me parlez, monsieur? Ah, parce que vous êtes là. Vous fumez, monsieur. Mais vous êtes flou. Ah. Putain, on a perdu tellement de gars d'un coup, là. De gays d'un coup. J'ai besoin grave d'aide, hein, lui, là. Hein. Oui, bah... Il y a toujours le M10? Phoenix, vite. Il est par là, sur dans l'allée. Je peux pas l'atteindre pour l'instant. Il est là. Ou critique. Pardon pour le cri. Il m'a fait trop peur, il était en mode. Tu ne t'enfuiras pas. Putain, quel enculé. Il m'a disable la tourelle alors que j'avais tiré. Ça c'est très frustrant quand t'entends le bruit qui fait POUM. Et que bah il est en fait. J'ai trouvé dans M10. Ah, bien joué. Il est où? Je sais pas. J'entends, il est où? Il est sur le banquise, ici. Hein. Mais notre équipe, elle est où? Elle est en vacances? Ferme ta gueule. C'est génial. Il est sur la banquise. Alors B, ça a l'air clear. J'ai bien ça à l'air. C'est de l'artoche au moins. Non, c'est pas tout clear. Attends. Bah, y'a un mec sur le point. Hein. Ouais, y'a un mec sur le point. Tu peux pas capter sur lui. Ouais. Oh, ce largage de la stratosphère. Tu vois, par contre, y'a des gens en avion, ils font mais ces sprays de gros forts. T'as un P63 et t'es dans mon ordre. Wow. Ouais, la DCA, elle a fait gaffe un peu. Surtout que c'est un BTR à nous. Hein. Je vais l'enculer. Attends, je vais lui rentrer dedans. C'est bon, je l'ai en head-on. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, garçon? Je vais t'emmener avec moi jusqu'à l'autre bout de la map. Tu vas me servir de bouclier de chair. Bon, vous abordiez le sujet des boucliers de chair, car justement...
Mais gros, enfin allez, moi ça me tue, c'est comme tous ces mecs qui te donnent le son, oh t'as pas tel matériel, oh, tu joues pas avec un joystick en avion, hein, tu joues pas avec toi, en attendant que j'ai des scores minables. Mais frérot, j'étais en... j'étais à... Mec, viens parler de score minable, t'as combien là Corentin? T'as 0 points. Bah, j'étais plus avec Orange qui a un bon fournisseur d'accès en Alsace. Ça ne m'intéresse pas, Phoenix. Non mais d'accord. Mais mon argument reste le même, Corentin. Non mais ce rire à la Martin. Conclusion, Corentin est un enfant. Tu veux que me fasse. Conclusion, est un papa enfant. Qui est du coup malsain. Camille ayant 15 ans. T'es à l'enfer. Tu sais qu'il y a des familles, ça doit être comme ça. Hein. Ah ouais. C'est les familles musulmanes. Enfin, je connaissais pas, mais. Ah si, je connaissais, mais enfin c'est comme si je connaissais pas en fait, parce que... Non, mais je lui ai jamais parlé, mais je savais que il était père, et il a été père genre à 17 ans. Et elle a été mère à genre, 17 ans à peu près, pareil. Oups! J'ai rien fait! Un pili de quai. Oh wow, c'est scandaleux ce que je viens de faire. C'est typique... Un exemple typique de ce... Pourquoi ce jeu est nul? J'ai une histoire encore plus sombre si vous voulez.